Moi, non, et que Jean Boulot. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jean Boulot. Ceux qui me connaissent, c'est le même nom. On a formé ça ici il y a deux mois et quelques, une gang de musiciens, 10-12 musiciens. On a fait un espèce de collectif. Et puis chacun a apporté un petit peu d'argent pour la décoration. Le bar n'est pas à nous. Nous, c'est la section musée. On paye les musiciens qui entrent. On est tous des bénévoles comme musiciens qui travaillent ici. On a monté ça. Excusez, c'est parce que je change une prochaine. Et ça va bien aller. Je vais faire ça lentement et sûrement. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on a fait la décoration. Puis quand je suis venu voir le propriétaire, ici c'était une taverne avant, mais ça faisait des années que c'était abandonné. Il y avait deux tables de billard qui traînaient. C'était pas pareil. Vraiment pas pareil. Fait que le propriétaire m'a dit, OK, tu peux faire de la musique ici. On va essayer ça. Puis là, ça va faire deux mois la semaine prochaine, puis ça marche plus. On va essayer ça, mais il dit le problème, c'est que le problème. Il dit le permis d'alcool et le permis de spectacle sont au nom de Montcalm. Alors il faut garder Montcalm dans le nom. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire à Montcalm? Je vais pas appeler ça Full House Montcalm. Je garde Montcalm. Je suis trop nerveux pour ça. D'un coup j'ai eu un flash. Les Beatles. Ils ont commencé à Liverpool, à la The Cavern. Où se dit? C'était un bar. The Cavern, la Cavern, la Caverne Montcalm. Oui. 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 La Caverne Montcalm, parce que la Caverne Montcalm. C'est pour ça qu'on a fait avec Saint-Denis ou Bito. C'est pour ça qu'il y a deux mois, le 4 mars, on avait invité Paul McCartney pour faire l'ouverture. Mais malheureusement, Paul McCartney jouait le même soir chez Tipper à Mascouche. Il change de place. Alors, on va demander à sa femme, Mascouche trop tôt. Exactement. Alors, c'est ça. On est comme une gamme de musiciens, mais un collectif. Il y en a plusieurs qui ont des bandes dans ce collectif. J'ai deux amis ici, Bruno, qui a une chemise blanche, là, et Christian. On a nos chemises blanches au restaurant parce que, pas parce qu'on se bannit, c'est parce qu'on a une photo de Ben ce soir. Il y a un petit peu de style pour boire, là, on a gagné une fumée. Il y en a qui nous ont vu, on était à la rentrée, dit qu'est-ce qu'il faut, là. Allez, Ben, c'est une sorte de ça. Donc, c'est des membres actifs du collectif, Bruno et Christian. On a un Ben ensemble. On a un band, on joue une fois par 4-5 semaines. À chaque fois qu'on joue, nous, nous trois, moi je joue guitare et basse, piano, Bruno joue guitare, 6 cordes, 12 cordes, mandoline, question percussionniste. On invite un ou une chanteuse à faire 7-8 tours avec nous autres. Et c'est, à chaque mois, c'est une personne différente. La semaine prochaine, c'est Joanne Slager. C'est moi qui l'accompagne et Christian aussi. On a quand même mort. On aime ça. Pas pour rien, on est parti à la place là. Et puis, c'est pas payant, les heures sont belles. Et puis, Joanne a fait plusieurs albums. Et les albums qu'elle a fait quand elle faisait de la scène avant, c'était Brune Leboeuf qui l'accompagnait à la danse. Puis là, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Je vous dis d'abord, je suis pas à la hauteur. Mais là, on fait trop petit. Mais je suis différent. Je suis bon. Alors, c'est ça. À chaque semaine, il y a des groupes différents. Comme la semaine prochaine, Joël Stagra, c'est plutôt de l'humour et des chansons originales et non originales. Après ça, on a du québécois, Pink Floyd. Il y a deux semaines, c'est un groupe de blues de Montréal, Billy Craig. Super, super. Avant la haute voltige en blues. Là. En tout cas, c'était des musiciens comme ça qui jouent dans une petite place de même chapeau. Comme les chapeaux, ça, ce sont des. Vous portez plusieurs chapeaux. Et à chaque semaine, c'est comme ça. On va avoir dans quelques semaines aussi le chanteur country. Et puis, je vais faire ma classe, c'est ça.
Après ça, plus tard, on a une soirée latino, un peu, c'est le reggae et Santana. Fait qu'on essaie de varier ça, et ça vient être des gardiens différents. À part ça, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont de Farnham ce soir? Et moi, je suis de Montréal, mais j'habite Farnham depuis 4 ans. Je suis un Farnham. Comment ça va ça, un Farnham? Farnham? C'est en fait que sans plus tarder, dans environ 5 ou 7 ou 8 minutes, le groupe des 6 vont jouer. On attend encore du monde, des réservations. Et puis, en attendant, on va vous laisser sur de la musique. Des Beatles. Ok? Ok? Parce que après, ça sera plus les Beatles. Ok?